passe un moment... C'est un moment historique. C'est un front de gauche qui se met en place, c'est le Front populaire revisité, gagnant pour les prochaines élections européennes. Et là, c'est sympa, on fait un barbecue. Qu'est-ce qui est en train de naître là? C'est une coalition de partis qui savent plus trop se placer, qui marche pas bien et qui veulent s'unir un peu, ou c'est une force nouvelle? C'est une force nouvelle qui est en train de se créer parce qu'on n'a pas tous les mêmes idées, surtout, mais enfin. Parti de gauche, gauche unitaire et Parti communiste français, aujourd'hui Front de gauche, on a une seule et même ambition, c'est de contester jusqu'au bout cette Europe ultralibérale, de la combattre, d'inverser ses choix, et de changer d'Europe et de ne pas suivre les logiques pour lesquelles la droite européenne et le Parti socialiste européen ont voté ensemble des lois qui, au quotidien, font vivre en pleine souffrance des milliers de salariés. En même temps, aujourd'hui, il y a le PS, mais maintenant, il y a le NPA, vous n'êtes pas un peu trop entre les deux? Eh bien, il y a le Front de gauche, et puis il y a ceux qui ont toujours voulu prendre toute leur responsabilité pour gérer, pour s'intéresser aux affaires du pays, ne pas fuir leur responsabilité. C'est bien de contester dans la rue, mais c'est mieux également quand on décide d'aller ensemble gérer pour inverser durablement dans un hémicycle des choix gouvernementaux ou des choix nationaux. Et c'est ce qu'on va faire avec la liste du Front de gauche le 7 juin au soir. Vous êtes tout nouveau, là, on ne vous connaît pas bien. C'est qui le Front de gauche? Le Front de gauche, ce sont... C'est un rassemblement qui regroupe le Parti communiste français, tous ses militants. La gauche unitaire, ce sont des camarades qui ne se retrouvent pas dans la démarche du NPA. Ils veulent jouer l'unité jusqu'au bout, seule dynamique possible pour renverser les méfaits de la droite libérale et du Parti socialiste européen. Et le parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon qui a décidé d'en finir durablement avec le Parti socialiste. Est-ce que vous n'enterrez pas le PC avec ce Front de gauche? Les attentes de congrès pour le Parti communiste français sont de créer une majorité populaire pour changer le rapport de force à gauche. Je crois que derrière le rassemblement impulsé, initié par et avec le Parti communiste français, je suis en pleine logique d'appliquer ce qu'ont décidé majoritairement les communistes dans leur congrès. Ce ne sera plus le Parti communiste monolithique comme on a pu l'entendre, ce n'est pas la faucille et le marteau qui s'affiche, c'est une volonté de rassembler toutes celles et ceux qui ne veulent plus de ces politiques, qui mettent au quotidien des familles à la rue, des salariés sur la route de sur la route du chômage. Justement, avec la crise, vous avez un coup à jouer. Elle tombe bien pour vous, cette crise. Allez, je suis un peu provoque, mais elle tombe bien, cette crise, pour vous. Vos idées, c'est facile à les faire passer en ce moment. Je crois qu'elle tombe beaucoup mieux. C'est pour les patrons qui profitent, même lorsqu'ils n'ont pas de difficultés dans l'entreprise, pour mettre à la rue, comme chez Goodyear, 1000 salariés, chez Continental, 1200, multiples exemples en France, de qui se moque-t-on? En même temps, les plus grands patrons, comme Valeo Amiens, qui s'engagent à licencier, gagnent 4 millions d'euros d'indemnités par an. Ça va bien. Le même patron, c'est Noël Forger, je crois, EADS, Albert, 8 millions d'indemnités par an et on licencie ferme. La crise a bon dos. Et en même temps, dans la même nuit que la crise apparaît, on donne 360 milliards aux banques et aux entreprises pour se sauver la peau et pas un seul centime pour les salariés, pour le pouvoir d'achat, pour ceux qui souffrent le plus. Et bien on va mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, on va renvoyer tout ce petit monde-là dans ses pénates et plutôt que ce soit les mêmes qui se crèvent le derrière tous les matins pour aller bosser, pour gagner misère, et bien maintenant ils vont aller bosser avec cette identité qui leur sera propre à eux. Ils auront un cadre de loi anti-licenciement contre les licenciements boursiers avec de nouveaux droits qui seront apportés pour les salariés dans l'entreprise afin qu'ils puissent co-gérer également le devenir de l'entreprise, ça c'est tout à fait nouveau. Et avec une troisième loi, plus d'argent public pour les entreprises. Sauf que s'il y a des aides publiques, il faudra qu'elles soient fléchées avec l'accord des organisations syndicales. Et ça, ce sont trois grandes lois que vont porter les communistes le 28 mai à l'Assemblée nationale avec les élus du Parti de gauche et que nous allons prolonger ensemble dans le Front de gauche aux élections européennes le 7 juin au soir. Ce sera la surprise. Justement, je repose ma question. Est-ce que justement le Front de gauche, c'était l'année où il fallait être là? C'est l'année de la crise économique, c'est l'année où peut-être... est-ce que vous avez jamais eu... Il n'y a jamais eu autant d'utilité d'un Front de gauche comme cette année, peut-être? On peut le voir comme ça aussi? La grande chance serait que le capitalisme se casse la gueule, Et la plus grande des misères serait que le socialisme ne soit pas capable de se relever, de prendre la mesure de la chance qu'il a à saisir, pour finir durablement avec un système voué à l'échec qui aujourd'hui a prouvé ce qu'il était véritablement, un système que nous ne pouvons pas dompter, qui est immoral, qu'il faut changer durablement. C'est pour ça qu'on se présente maintenant avec nos camarades de la gauche unitaire, du PG et du Parti communiste français, victorieux pour ce 7 juin. Merci.